Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de mon Black Widow Challenge. Donc, la semaine passée, elle s'est mariée avec Seiji, notre prochaine victime. Et actuellement, nous sommes déjà au troisième trimestre, donc elle risque d'accoucher à tout moment. Je vous ai avancé parce qu'il a fallu que je prépare... il a fallu que je prépare la suite du challenge et donc j'ai avancé sa grossesse. Donc là, elle risque d'accoucher à tout moment et nous avons la visite de Esteban qui vient nous annoncer une nouvelle. Donc Esteban vient d'arriver. Je vous rappelle qu'Esteban était censé suivre le chemin de maman, mais lui avec des victimes, sa première victime était censée être Sonia Gothic. Mais là, il vient chez maman pour lui annoncer que finalement, il ne tuera pas Sonia parce qu'il est tombé fou amoureux d'elle et qu'il n'arrive pas à la tuer. Et la nuit passée, il a même demandé Sonia en mariage. Et bien évidemment, elle a accepté. Et tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est que maman comprenne sa décision, que Lena assiste au mariage. Oui, il aimerait beaucoup que Lena assiste au mariage et qu'elle lui pardonne. Donc après avoir appris la nouvelle que Esteban vient de nous apprendre, maman a besoin d'aller se reposer, ce qui lui a fait quand même un choc, comme vous pouvez comprendre. Et attendez, pourquoi on a deux majordomes? Et elle est de retour! Trop marrant! On a deux majordomes! C'est quoi cette blague? Ah ok, très bien, bon. Non mais pas de problème! Pas de problème. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Et les deux, ils vont rester? Non, mais j'en paye qu'un, hein. Je paye pas les deux. Hein. Donc, Esteban est resté quand même à la maison pour voir si maman a bien digéré ce qu'il vient de lui dire. L'accouchement va commencer après cette journée pleine de périples pour Elena. C'est parti, elle va avoir son futur bébé. Donc je pense qu'on va... Ouais, on va se faire l'accouchement à l'hôpital. Allez Elena, c'est parti. On va connaître le futur bébé. Avoir le bébé à l'hôpital et rejoindre. C'est parti et tu vas avec Seiji bien évidemment. Elena? Ah! J'étais là, attendez, elle part pas là. Alors, fille ou garçon? Calme-toi, respire, tout va bien, t'inquiète. Oh, ils sont super amoureux. J'adore comme ils sont paniqués, ça me fait tellement rire à chaque fois. C'est une fille, comme je suis contente. C'est ce que je voulais le plus, c'était une fille. Ah, c'est énorme. Comment je vais l'appeler ma petite choupinette? Je voulais une fille, je suis tellement contente. Eh ben, j'ai très envie de l'appeler Anna. Anna. Anna Love. Anna. Anna avec un H au début, oui. Ouais, j'ai très envie de l'appeler comme ça, donc là, on est parti. J'ai eu ma petite fille, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. C'est parfait. Donc là, on va pouvoir rentrer à la maison. Ce que je vais faire... Je vais la faire... Est-ce que je la fais grandir direct ou est-ce qu'on attend le prochain épisode? Quoi qu'il arrive, vous le savez très bien qu'enfant comme ça, c'est... Après, Pamba, ouais, ça va être bien. Alors, ce qu'on va faire... Où est Anna? Anna, où es-tu? Allez là, ma petite choupinette. Ce que je vais faire, c'est... Donc là, c'est la chambre de Esteban quand il vient nous voir. Donc ça, c'est la chambre d'Emma. Ce qu'on va faire, eh ben, c'est mettre sa chambre, peut-être, avec plus de couleurs de filles. Genre ça, le mettre en violet.
Voilà, on va rester sur du violet et du noir. Il y avait une fenêtre ici. Elle me perturbe cette fenêtre en fait. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, ça me perturbait. Ça peut-être plus le mettre en blanc. Donc ça, pareil, le mettre en violet. Hop. Est-ce que les rideaux, ils existent? Voilà. On va faire comme ça, elle va prendre la chambre que... Et pas que Esteban avait. Quand il était là. Ah, là, le bureau, c'est pareil. C'était un contenu perso. Il est parti. Mais bon, voilà, encore une fois, vous comprenez pourquoi j'utilise vraiment moins de contenu perso. C'est trop chiant après quand on reprend les créations et quand j'en supprime. On va mettre ça. Là, ouais, je vais lui laisser comme ça. Mince. On va lui mettre un PC. Voilà, on va lui mettre une chaise. Ça lui fait des petites touches violettes par-ci par-là. Ça sera plutôt sympa. Il manque peut-être un petit peu de nounours ou des choses comme ça. Ça, on peut pas l'avoir dans une autre couleur. Ouais, non. Mais je vais quand même peut-être rajouter des jouets ou des choses comme ça. En plus, ça va être un bambin, même pas encore un enfant. Ah oui, donc faut changer le lit en fait. Ah, bambin. Bambin, bah, je pense qu'on va lui le prendre comme ça. Ouais. Et et je vais peut-être lui prendre un petit coffre à jouets ici. Voilà, ce sera très bien. Ah, je vais placer ma petite peluche. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir ajouter ça. J'avais pas pensé. Ah oui, mais merde, ça semble aller en haut. Donc faudra, je pense, à chaque fois à la descente, tout et tout. C'est pas grave. Le petit pot, on va le mettre ici. Ah, c'est vrai qu'il a été plus sympa parce que ça fait un monstre, ça. Ouais, on va plus prendre lui. C'est plus marrant. Et on va lui prendre une chaise haute qui va parfaitement avec le reste vu que c'est rouge. Et je vais lui prendre ça aussi qu'on va mettre là. Genre, on va les mettre en plein milieu, ces jouets. Hop, ça lui servira. Voilà! Parfait! Comme ça. Et ce qu'on va faire, eh ben, je pense que je vais la faire grandir direct, comme ça on s'occupe d'elle. Et comme ça, à partir de la semaine prochaine, on réfléchit à comment on va tuer cette G. Anna? Alors, qu'est-ce qu'elle va être, Anna? Anna, je veux qu'elle soit. Eh ben, je veux qu'elle soit Angélique. Ouais, Angélique, c'est très bien. Oh, fais voir cette bouille! Attendez, il faut trop qu'on la regarde. Il y a des miroirs, il y a un miroir par ici. Modifier l'apparence. Voir. Ah, oh, j'aime pas du tout comment elle est habillée, j'aime pas sa coupe de cheveux. Alors attendez. Oh, moi je l'aurais plus vue comme ça. Ah oh, oui, elle est beaucoup plus jolie comme ça. Ou comme ça. Non, comme ça. Après, on lui laisse les cheveux rouges chez maman. C'est. Ouais, allez, c'est un hommage à maman. Ah, par contre, les vêtements, je suis pas fan. Je suis pas fan.
Je l'aurais plus vu comme ça. Et ouais, avec une petite jupette. Moi, je l'aime bien ce bleu. Hein. Mais au final, oh, on va peut-être lui changer finalement sa couleur de cheveux. Ouais, parce qu'ils ont tous les deux les cheveux comme ça, papa et maman. Ouais, donc en fait, ça serait bien de la laisser comme ça. Ça serait bien de la laisser comme ça. Bon, alors attendez. Ah, comme ça, j'aime bien. Toi aussi, t'aimes bien? Niveau des chaussures. Ouais, voilà. Là, on est bien. Ça, j'aime bien. Il y a juste d'autres couleurs. Ouais, non, j'aime bien. Là, par contre, j'aurais bien voulu du blanc et du bleu pour appeler. Parfait. Ensuite, pour dormir. Oh, je suis trop fan de ces combinaisons pour dormir. Elles sont tellement belles. Mais bah écoutez, je vais lui laisser celle-ci. Et ça, c'est quoi? Fête. En fait, c'est la même tenue que l'autre. On va peut-être plus lui mettre ça. Ah, c'est joli ça. Ah oui, on lui met ça. C'est trop trop mignon. Elle est trop belle comme ça. Oh, regardez-moi cette petite bouille. Ah, au final, je préfère ses autres tenues que sa tenue principale. Au niveau du bas, non, j'ai bien envie de la voir avec la petite jupette comme ça. C'est au niveau du haut que j'hésite. Non. Non. Peut-être plus quelque chose de comme ça. Non, en fait, j'aime pas. Je sais pas comment la mettre. Final, j'aime bien cette tenue. Je pense qu'en fait, je vais lui mettre ça tout le temps. Parce que je sais pas, j'ai vraiment flashé sur celle-ci et on va lui changer l'autre. Ouais, on va faire ça. Donc ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Ouais, et là, je vais lui le changer. J'ai vraiment flashé sur cette tenue. Elle est trop belle. Et là, ouais, on peut partir pour ça. Bah, pourquoi pas de cette couleur? Non. Et non, 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 non. Ah, là oui. Comme ça. Et on va lui mettre les chaussures. Voilà! Parfait. Là, je suis satisfaite. Donc ça, sa tenue principale. Sa tenue de fête. Tenue de soirée, t'as une tenue de fête. Ouais, c'est très bien comme ça. J'espère qu'elle va vous plaire. Mais oui, regardez-la comme elle est toute mignonne. On est obligé de craquer sur elle. Elle est trop belle. Ça, par contre, je le vends. Voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous fais des gros gros bisous et à la semaine prochaine.